fokananga Yesu Biole yo unela kanga Ofana pembenya papa Okata magamonanga. C'est une très bonne question. En fait, quand on dit mont des oliviers, et la Bible dit, tu vas voir que il va mettre son pied dans Montel et puis l'autre pied dans un autre mont. Et puis il y a encore une autre écriture qui dit qu'il y avait un ange qui a mis les pieds dans la mer et il a mis l'autre pied sur la terre. Ça, ce sont des expressions prophétiques. C'est pas que Jésus vient, même s'il est grand, enfin je ne sais pas, mettre déjà son pied sur une montagne et l'autre pied dans l'autre montagne, je ne sais pas comment. Donc il est devenu grand, quoi. Un grand géant. Donc c'est une expression pour exprimer par rapport à ce qu'on appelle la royauté de Christ pendant ces temps-là. Les monts des oliviers qui expriment l'onction, la puissance et l'autorité, c'est par rapport à ça. Donc tu vas te souvenir d'une écriture là où la Bible dit que Jésus venant de monts des oliviers, il descendait, il a dit aux disciples, allez il y a voilà, il faut aller les délivrer. Voilà. Le mouvement de descendre du mont des Oliviers et délivrer, au fait, l'anneau ou l'ânesse, ce mouvement-là explique le Seigneur Jésus qui vient du ciel. Donc, le mont des Oliviers, c'est le type du ciel. Quand on dit qu'il va mettre son pied sur le mont des Oliviers, ça montre vraiment l'autorité. Donc, ce n'est pas que Jésus va mettre un pied sur le mont et l'autre pied dans l'autre montagne. Donc là, il est un géant, je ne sais pas comment il va écarter les pieds. Plus ou moins l'image quand il rentrait dans la ville avec... Le groupe qui la suivait. Ça, c'est l'église, en fait, qui va accompagner le Seigneur pour entrer dans Jérusalem. C'est...